Et salut à tous, c'est Rio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée au jeu Aladdin. Alors, nouveau format de vidéo, je me lance. Enfin, cette vidéo devait être un live au départ. Et malheureusement, à cause de problèmes, surtout de connexion, je ne pourrais pas faire de live. Donc, pas de live, donc ça sera en différé. Donc c'est ce que vous allez voir ici. Donc je vous propose les vidéos de jeux que je ne connais pas forcément. Alors là, pour commencer, je connais le jeu. J'ai fait le jeu il y a très très longtemps. Enfin, fait le jeu. J'ai joué un peu au jeu quand j'étais petit, il y a très longtemps. On va baisser un peu le volume. Très longtemps et donc je me suis dit tiens pour commencer pour commencer les vidéos on va appeler ça les vidéos découvertes on va reprendre un vieux jeu que, bah, que ça fait super longtemps que j'ai pas joué et que j'avais vraiment envie de refaire. Voilà, donc aujourd'hui on est sur la version Mega Drive. Moi j'avais joué à la version PC, donc qui est similaire, quasiment similaire à cette version là. Donc ce jeu est sorti en 93, donc édité par Sega et développé par Virgin. Avant que je lance le jeu, il faut savoir qu'il y avait aussi une version Super NES que j'ai découvert juste après-midi, là. Je connaissais pas. Version qui n'a rien à voir. Était développée par Capcom, pardon, sorti en 94 et franchement n'a rien à voir niveau gameplay. Elle est plus accessible, mais niveau graphisme elle est moins belle, hein. faut pas se leurrer. Alors là j'avais envie de regarder quelque chose dans les options avant. Donc difficulté. On va mettre normal. Écoutez-moi cette musique, putain. Alors je vous le dis tout de suite, Aladdin c'est mon dessin animé Walt Disney préféré. Il n'y a pas un truc. Il y a même la possibilité d'avoir un sound test. Je vais juste vous faire écouter. Est-ce qu'elle est ? Je crois que c'est celle-là. C'est là j'adore cette musique, écoutez-moi là. Je vole. C'est comme ça quoi. Je connais plus les paroles du tout, mais c'était ça, c'est. Un ami qui s'appelle Je vole. Ça rappelle trop de souvenirs. Il y avait aussi Fun Like Me. C'est une musique de génie ça. On va pas y passer non plus la journée là-dessus. Donc je vais essayer donc, d'aller le plus loin possible. On va faire une petite vidéo de je pense une heure, un truc comme ça. On verra bien. Je couperai la vidéo sur le début d'une heure, sur le bout de 40 minutes. Pour les biens de l'upload. Donc voilà, allez, c'est parti. J'espère qu'au niveau des options, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Parce que j'avais bougé les touches. Attendez, je vous laisse l'intro. Allez, le marché d'Agrabah. C'est parti. Ah merde, faut passer. Je vais appuyer sur A. Et merde, c'est pas comme je voulais.
couteau. Ouais, c'est pas comme ça que je voulais. Putain, ça chiant. Bah écoutez, je coupe et je reviens tout de suite. C'est bon, on est reparti là. Voilà. Ah, c'était parce que moi j'aime bien avoir le saut en bouton A. Après le sabre. Et les pommes pour le X. D'accord, parce que je joue à la manette à la Xbox, je joue sur l'émulation. Putain, ça fait trop longtemps. Putain, quel plaisir. Merde. Ah oui. D'accord, c'est A. Ok. Il faut que je m'habitue, hein. Je suis pas encore habitué. Mais écoutez-moi cette musique de fou furieux. C'est un truc vraiment, vraiment énorme. Je kiffe trop cette musique. Hop, on prend le maximum de pommes. Donc voilà, on est parti pour une petite vidéo d'une heure tranquille. No stress. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je vais faire en live. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, on va essayer de monter ici. Ah oui, les bonnes femmes qui lancent leur truc. Donnez-moi ça. Merde. Ah, je suis même. Alors, les. Ils sont un peu tués, là. Ouais. Les rubis, je sais plus à quoi ça sert. J'ai du mal. C'est le checkpoint ça, je crois. Oh merde. Il peut monter? Non, il peut pas monter. Hop. Et c'est toi. Je crois qu'ils perdent leur froc en haut. Sur moi des coups, les petits mecs. Ah non. Bon, j'ai dû rêver. Hop, on va monter ici. En plus de ça, j'ai... Oh merde. Gros moment de nostalgie parce que... Aladdin, c'est... Enfin, j'ai... Je l'ai vu je ne sais combien de fois en VHS. En cassette VHS, oui. Vous avez bien entendu. En VHS, je sais pas combien de fois je l'ai vu. Mais c'était vraiment mon Walt Disney préféré, quoi. Il me faisait voyager. Enfin, voilà, c'était Aladdin, quoi. Et bah. Je n'avais jamais. Jamais vu les autres. Enfin, le retour de Jafar, j'avais vu que la fin. Je sais pas pourquoi, j'avais dû m'endormir au début ou tout comme ça. Je me souvenais que de la fin. Je me souvenais que Iago, c'est Iago qui jette la lampe dans la lave. Mais c'est tout quoi. Je me souvenais plus du tout. Mais... Et jusqu'à il y a très peu de temps, je savais même pas qu'il y avait un autre à Aladdin 3. Et le roi des voleurs. Je savais pas du tout, donc là j'ai découvert ça aujourd'hui. J'ai regardé aujourd'hui. J'ai regardé les trois dans la foulée. Et le roi des voleurs, j'ai regardé aujourd'hui. Je sais pas qu'on en apprenait plus sur Alice et le marchand.
sur la genèse d'Aladin et sur le père d'Aladin. Qu'est-ce qu'il veut lui, en fait, c'est ça? C'est Jill. Je sais plus à quoi ça sert en fait. Ça c'est quoi ça? Ah non, c'était d'accord, c'est avec les diamants. D'accord, j'ai cassé. Et puis il n'y a pas une longue portée. Ah ouais, c'est fini. Level complete. Ah oui, il y a ce truc là. Je suis trop nul à ce truc là. Je suis trop nul. Je me souviens plus. Bonus level. Ça, je m'en souviens plus. Hein. Ah bon, la grappe. Ah, c'est un truc super chaud là. Un truc qui est méga chaud, vous allez voir. Tu veux du coup? Bon. C'est ridicule. Je suis désolé, ma performance. C'est ridicule. Nice try. La cavale n'allait. Il faut un diamant pur pour entrer le diamant pur. Il faut l'escarabée magique. Il faut aller dans le désert pour le retrouver. Eh bien sûr. Alors bien sûr, Sega s'est permis quelques ajustements, ça ne suit pas forcément le scénario au poil quoi. Putain, je me souviens de ce niveau. Il était kiffant je crois. Hop. Ouais. Je me souviens de ça. Ah merde, c'est vrai, il y a des serpents et tout là. Des cochonneries. Oh merde. Tiens. Ah oui, c'est là qu'ils perdent leur froc. Alors. Ah oui, là il y a un truc avec truc de Mickey. Regardez, il y a truc de Mickey, maintenant on peut avoir une vie, je crois. C'est tant bien. Attends. Je vais me fermer. Je crois qu'il y avait un truc à faire avec le. Merde, mais je crois qu'ils ont un truc à faire. Ah là, comme ça, je crois. Bon, allez, Al. Aladin. Et ben, c'est pour un con. Voilà. La vie cachée. Enfin, le... Ouais, je crois que c'est une vie, ça, non? J'étais sûr. Merde. Putain, je tombe toujours les boutons. En fait, j'aurais pas dû mettre le sabre de ce côté. Comme touche. Pour le saut c'est parfait mais... C'est pour le sabre, je lance toujours des langues, je fais toujours. Ah oui, c'est là qu'il se fait leur froc, regardez-moi ça. C'est l'animation de ouf. Tiens. Ouf. Il y a un panneau stop. Je sais plus s'il y a un truc à prendre là-bas. Tant pis. Tampon pas non possible. Voilà. D'accord. Les pommes, j'aime les pommes. Je crois qu'on peut pas avoir... Il vient plus avec son pomme. Tiens. Comment? Ben j'arrive. J'arrive mon gars. Donc là on joue avec la version américaine du jeu. Il y a un scarabée là-bas. Merde.
Un morceau de scarabée. Donc on va le prendre après. Merde, il m'a touché quand même. Le con. Donc la vie est représentée par la fumée de la lampe. Putain, quel con. Merde, j'ai perdu une vie là. Oh, j'ai fait le con. Un Yago là, un Yago fourbe. Ça je m'en souvenais. On va se le faire. On va pas venir. Tiens. Je sais plus ce que c'est le truc que j'ai mis. Scarabée, voilà. Comment reprendre de la vie ici. Oula. Tiens. Ah bah je me suis touché à priori. Ça c'est pas cool. Ah! C'est vrai que les pommes ça va tuer un coup, j'ai l'impression. Enfin, pour certains. Il y a ça qui fait des conneries, écoutez. Arrête tes conneries! Oh! Mais si! Merde, mais je le chat qui fait des conneries peut-être. Il faut. Hop. Et si. Oula, ça a détruit ça. Merde. Non, frère, de toute façon, on est là pour... passer du temps tranquille. Là, c'est vrai. J'ai vraiment sur un jeu que je connais, mais après, sur les jeux que je connais pas. Putain, mais c'est ça que j'ai utilisé. Les pommes, je crois que je les économiser, hein, dans le jeu. Je sais plus du tout. Je sais pas si on peut lancer. Ah si, on peut le taper en haut. Je n'ai plus sûr. Bon, il réapparaît pas le petit scarabée. Bon, ça fonce à l'air, c'est bon. Tenez, il y a des dingos. Il y a des dingos sur les poutres. Ah, ça le fait exploser. Ah ouais. Putain, la lampe magique, ça fait exploser le type. Comment on va là-dedans? Oh la vache! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai combien? J'ai 8 trucs? Bah, je peux pas avoir de trucs, je sais pas si c'est que... Hein? Merde, j'ai fait mal. Putain, mais ça passe, je crée. Voilà. C'est pour avoir le marchand, quoi. Hop. Ouais, c'est comme ça qu'on a. Voilà, j'ai deux morceaux, normalement, c'est bon. LOL, ce passage. Peux tuer une cuisine? Merde. Ah, génie. Bien joué à vous. Tu le finis? C'est bon. Je peux pas le tuer. C'est quoi cette animation de ouf? Merde, il y avait un truc de génie. Mais... Ah, dommage.
là. J'ai pas regardé. Yeah! Je regarde pas, je regarde pas. Merde. Bon, j'ai gagné une vie quand même. Alors, quoi qu'il se passe déjà? Donc j'ai le scarabée. C'est pas la donjon? Ah non, on retourne au marché. Bon ok, on retourne au marché. Pas de soucis. Niveau enregistrement, ça a l'air d'aller en tout cas. Cette musique est épique. Ok, les gardes, ils sont après moi là. Je vole. La 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 la. Je vole. Cette musique en plus. Ouais, je vole. Je vole. Je suis un vaurien. Putain, je me souviens plus de ça. Putain, il peut me tuer. Non. Ah ouais, il peut me tuer ce bâtard. Quel con. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? On peut pas aller là-bas? Il fait une vie, bordel de merde. Comment on a la vie? T'as mis un truc là-bas. Merde, peut-être qu'on peut pas alors. Il peut retenir un coup, attendez. Regarde sa tête. Ah la gueule. Bouge même pas. Merde, je sais plus ça. Oh! J'ai pas vu. Je me fais toucher trop de fois. Non, je sais pas par où on passe. Putain, les connards. C'est sûr, on passe par là. Ah merde, moi j'ai niqué le truc. Sans pas casser, moi, le muse. Hop, on va prendre un flux ici. Voilà. Oh putain. Oh la vache. Ah mais comment on monte? On peut monter là? Moi j'ai envie d'aller prendre la vie là-bas. Merde. Mais écoutez, on va continuer un peu. Merde, je suis pas dans cette pomme. Mais je passe juste. Ah mais il lance combien de poules lui?
four avec leur peau. Il n'y a rien à prendre, là. Putain, mais t'es obligé de te le prendre, en fait, le mec. Mec, il est en train de bouffer, je crois. Voilà, viens m'en prendre. Merde, je fais pause. Quel con. Ah ouais, y'a un diamant là. Putain, mais la vie, comment on la prend la vie? Rien alors. Mais la vie, je veux prendre la vie là. La chaîne va monter. Non, on peut pas monter. Merde. Bah comme un, tiens. Donc en passant par là. Prévenant. Putain mais connard. Il y a une ville là-bas. Ah oh, merde. Putain c'est chaud. Aïe, il y a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen. Allez, on se laisse pas déconcentrer. Oh là là. Ah là là, il fait des pécas là. Attends, tu me dis, je me suis touché quand même. Putain de merde. Putain, je vole. Je vole. Fou la 7ème vie. Oh. Traverse le plancher. Aladdin. Et merde. Yes. Voilà. Compliqué ça en fait. Merde, pourquoi j'ai lâché? Wouhou! Ouh, je vole! Je vole! Bon, peut-être que j'arrête de chanter. C'est un peu nul. D'où je me fais toucher? Peut-être que je peux avoir l'autre. La vie elle est impossible à voir. Hein. Quelqu'un m'explique. Putain de merde. Compris. Putain, mais chaque fois je me fais toucher par lui. Est-ce que... Non. Passer là? Je peux pas passer là. C'est quoi cette blague? Mais là, là, putain, je suis coincé. Ah, merde, alors. Attends, j'ai fait ça. Attends, il y a une flûte là-haut. J'ai pas pris tout à l'heure. Merde.
là. Ah, ça t'a passé. On a compris, mais c'est chaud ça. Ah oui. Bah alors, c'est pas le même. Bah elle est où? Les composants pas très bien. Ce que j'ai eu. Ah bah la ville, je peux l'avoir facile maintenant. Comment ça se fait? J'ai du mal à tout comprendre. Putain, mais connard! À la pomme. À la pomme. LOL. Tiens. Tu m'en parles deux fois. Comment on peut aller là-haut? C'est impossible. C'était là-haut. Péto. Ah bah tiens, une vie. J'ai même pas gagné qu'il y avait une vie là. Hop. C'est quoi ça déjà le cœur? Merde. On va y arriver finalement la vie, non? Putain, j'en viens ici. Qu'est-ce que c'est blague? Désolé, Yago. Tu vois ce qu'il se passe, celui-là? Ah, la blague. Il merde, je crois que je suis assez. C'est qui lui? Faire la peau comme ça. Ah mais c'est le merde, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle là, c'est le petit voleur au départ, hein. Je pense à écrire pour les prendre aussi. Je sais pas quoi ça sert. Franchement, je sais plus à quoi ça sert. C'est un truc de fou furieux. C'est ouf, quoi. Après les pommes, je pense qu'on peut s'en passer. Mais c'est vrai que les cœurs, ouais, je sais plus. Je sais plus exactement ce que c'est. Ah bah non, il vient de monter en haut.
je comprends rien. Rajun, non, je sais pas quoi, là. Le chef de... du sultan. Tiens, bouffe les pommes. Je regarde pas, je regarde pas. Yes. Je regarde pas. Yes. Pas. Ah putain. Bon, juste après ça, je vais faire une pause. Ça fait déjà une demi-heure. J'espère que ça aura marché. Me permet de vous parler maintenant en off, car il n'y aura pas de deuxième partie finalement. Alors je suis vraiment dégoûté là, au moment où je vous parle, parce que la deuxième partie, elle s'est pas enregistrée. Là, j'ai eu des problèmes de capture. J'avais filmé une deuxième partie qui durait une demi-heure en plus, et malheureusement, voilà, j'ai pas pu la récupérer. D'ailleurs, j'avais une troisième partie qui était à prévoir et je suis un peu deg parce que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Voilà, alors bon, comme c'était une vidéo découverte en live, enfin le truc c'est, le but c'est de découvrir un jeu quoi, même si je connaissais déjà le jeu, j'avais pas envie de refaire une prise, surtout qu'elle était réussie celle-là, et je savais que les autres allaient être moins bien, parce que je serais dégoûté d'avoir recommencé, je sais que j'aurais super mal joué et compagnie quoi, voilà. Donc voilà, je suis assez dégoûté, donc vous verrez pas la fin. Donc comme je suis dégoûté et que j'adore Aladdin et ce jeu principalement, j'ai décidé de faire une vidéo prochainement, une vidéo défi sur ce jeu. D'aller le plus loin possible, et cette fois-ci j'irai, enfin je ferai gaffe à ce que tout s'enregistre, et si tout n'est pas enregistré, bah je recommencerai, enfin je vais vraiment faire un plaisir pour faire une nouvelle vidéo. Voilà, donc par contre, pour cette vidéo, heureusement que j'avais, en fait j'avais prévu à la fin de la seconde partie, je me suis dit, bon, on va faire une troisième partie parce que je n'ai pas encore fini, je suis pas mort, etc. Donc du coup j'avais lancé une troisième partie qui se révèle être assez rapide, parce que je meurs assez rapidement. Donc du coup c'est plutôt une vidéo conclusion, on va dire, enfin une partie conclusion. Donc je rajoute du coup juste après ça. Voilà. Donc vous aurez loupé deux niveaux dans le jeu, mais bon, n'inquiétez pas, je referai une vidéo là-dessus. Voilà. Allez, retour au direct. A plus. Eh bien, troisième partie, hein. J'ai l'impression que ça va se terminer en sorte d'épopée ou je sais pas quoi, à la Hooper. On en est reparti. Non, on va garder son calme cette fois. Je suis un peu déstressé là. Bon, ça devrait le faire. C'est pas non plus hyper hardcore, putain. Ou putain, ça j'ai oublié. C'est plus sage. Voilà.
Putain, le boulet qui m'a fait tomber dans la lave. Non, c'est pas grave. Putain, ce maudit Abou, j'aurais mieux fait de pas toucher au diamant. Mais je trouve Abou, t'es un personnage vraiment. T'es un personnage vraiment charismatique. La série Aladdin. Il a vite d'argent à bout. Oh putain. Voilà. Ça va nous refaire une petite santé. Ah, c'est le truc où il y a les sauts. Oh putain, fil de rasoir. Putain, je crois qu'il y en a un troisième. Non. Putain, mais non. Pourquoi il me faut recommencer le début? Fais chier. Je commence à glisser. On doit commencer à glisser sur la gâchette en plus. Oh, mais putain, mais je repars. Un boulet. Mais non, mais j'ai sauté. Pourquoi le train ne fonctionne plus? Moi, c'est plus de vie déjà. Ouais, je pense que je suis pas le seul à avoir du mal à passer ce niveau. Parce qu'il faut le dire, il est vraiment hard. Voilà, non. Je refuse. Je refuse d'abandonner comme ça. Bon, j'espère que j'allais un peu plus loin quand même. Parce que maintenant j'ai commencé une troisième partie. On va faire une demi-heure de vidéo encore. Ah putain! Donc oui, pour détendre dans l'atmosphère, je disais Abou, j'aime bien Abou. Franchement, je trouve que c'est un perso. Est-ce que c'est enregistrement? Ouais, c'est enregistrement. C'est vraiment un perso. Putain! Charismatique. Genre peut-être même plus charismatique qu'Aladin par moment. Mais qui coule. Ouais, faut faire gaffe. Oh. Voilà. Mais non, mais comment ça se fait que je tombe là? Parce qu'à bout en plus il parle pas. Oh, putain, mais je crois que je finis par celle-là. À bout il parle pas comparé à Yago. J'ai envie de passer là, voilà. En fait, pourquoi prendre son. Pourquoi aller vite? C'est pas un speedrun, hein, les mecs. C'est pas un speedrun. Allez, il y a ça aussi à prendre. Voilà. Hop, on passe tranquillement. Voilà. Alors là, non. Putain, j'appuie tellement souvent sur A que. Que des fois. Voilà. Ouais, j'ai plus de vie. Voilà, j'ai niqué. J'ai feinté. Oh là là, je voulais pas faire ça. Oh, c'est fini. Oh non. Et merde. Je pensais pas qu'il y avait de continu comme ça. Je sais pas combien il y avait de continu en fait. Bon bah 5 minutes, bon bah ça va être intégré à la seconde partie. Hein. Oh là là, bon bah. Je voulais que ça se termine enfin. Bon bah c'était une petite vidéo pas découverte parce que je connaissais déjà le jeu.
mis une petite vidéo émotion sur Aladdin, parce que voilà, Aladdin c'est vraiment mon Walt Disney préféré, ça j'ai déjà dit au moins 100 fois. J'avais d'autres trucs à dire là-dessus, mais bon, tant pis, ça s'arrête pas aux Allemands. La vidéo est en deux parties, et non en trois. Bah voilà, donc je pense que je ferai régulièrement des vidéos comme ça sur des jeux rétro que je ne connais pas, qui sont souvent mythiques et que je n'ai pas fait. Voilà, donc, des vidéos d'une heure, enfin sûrement, ce sera sûrement la première heure d'un jeu. Voilà. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'espère ne pas avoir trop ragé. Allez. Pour terminer, je vais vous mettre sur la musique que j'aime bien. J'espère que j'ai pas trop ragé. Je me rends pas vraiment compte. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bah, je suis désolé, j'ai pas été jusqu'au bout. Enfin, non plus, c'était pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment d'être tranquille. Hein. Enfin, faire une petite vidéo sur Aladdin tranquillement. Allez, pourquoi pas le plus loin possible, mais bon. Déjà, je suis arrivé jusqu'à la caverne. Je pensais pas. Donc voilà. Donc, le but, c'était vraiment de faire une vidéo d'une heure. Je pense que j'ai dépassé un peu l'heure. Mais bon. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Donc je rappelle, c'est un jeu édité par Sega, développé par Virgin Game, 1993. Très bon jeu, un des meilleurs jeux de la Mega Drive. C'est pas, il n'y a pas que moi qui le dis. Voilà, je vous le recommande. Si vous aimez Aladdin, si vous aimez les jeux Mega Drive, allez-y, foncez-tu les mecs. Voilà. Bon allez. Sur ce, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon, je ne saurais pas encore ce que c'est, sur quel jeu. Voilà. Allez, salut.